Coucou les amis, alors ça y est, j'ai fini de diamanter les dents, enfin du moins les petites tours Eiffel pour les gants de chez Diamond Art Gift. Et j'ai déjà fait l'essai sur un gant et là je vais vous montrer comment faire pour le second gant. Alors vous voyez, ce que j'avais pas vu, c'était qu'il y avait un carton, et ce carton il vous faut le glisser dans le gant afin que le gant soit bien à plat, bien posé. Après vous devez apposer, par contre aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 janvier, je souhaite un joyeux anniversaire à ma nièce Manon. Voilà, tant que j'y pense. Alors, je vais pousser un peu, voilà. J'ai positionné la tour Eiffel de cette façon. Je positionne mon petit papier. J'ai mon fer. Alors, il faut savoir que mon fer n'a pas de bouton pour choisir la... la température ou la texture de ce que du textile, etc. Il s'adapte directement aux vêtements et à ce qui est à repasser. Voilà, c'est un super fer, hein. Marque Calor, c'est ma maman qui me l'a acheté. Il est top, franchement. Allez, on y va. Par contre, il faut bien insister sur la vapeur, etc. Parce que tout à l'heure, je l'ai laissé un peu, puis j'ai sorti les décalcos et le truc n'était pas encore bien collé au gant. Allez, on insiste, on reste bien. Voilà. Pardon si je vous fais bouger. Alors, on va voir s'il est bien fixé. S'il n'est pas bien fixé, on insiste. Voilà. Alors, je regarde. Ça a l'air d'aller, mais je vais re-insister encore une petite fois. Voilà. Là, je pense que ce sera bien fixé. Je vais enlever, quoique je garde le carton, comme ça au moins je vous montre. Voilà, ma tour Eiffel diamantée. Je vais vous chercher l'autre. Alors, je suis là les amis. Alors, que je vous montre l'autre, il a été fixé comme ceci. Par contre, il faut vraiment des mains fines, pas trop épaisses, parce que mon compagnon a voulu les essayer. C'est bien des gants de femme, fille. Il n'y rentrait pas du tout. Donc voilà. Si je me trompe. Non, non, je ne me trompais pas. Vous voyez. Voilà. Vous le disposez comme vous voulez. Vous voyez. Voilà. Moi, elles me vont bien. Bon, donc ça va pour l'instant. Et ça va aller parce que avec le temps qu'il fait dehors en ce moment, maman, là, il fait froid, il a neigé. Je veux pas de neige. Je vous l'envoie volontiers si vous la voulez. Et voilà ce que ça donne sur l'autre. Donc, les deux ensemble. Vous en avez une qui est plus colorée que l'autre. Vous voyez, c'est très différent, mais c'est tout autant magnifique. Moi, pour le prix, franchement, puis, vous passez le temps à diamanter, ça prend pas longtemps. Il y a juste à passer un coup de fer après, et vous voyez, c'est magnifique. Voilà, donc n'oubliez surtout pas hein, le carton pour tenir droit. Il y a même Roselyne hein, qui me le disait de ne pas oublier le carton.
Voilà. Ensuite, vous voyez, niveau cristal, là, il me restait une grosse goutte. Là, il m'en restait un tout petit peu. Mais après, tout le reste, il m'en reste énormément. Voilà, vous voyez, tout ce qu'il m'est resté. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous montrer tout ça. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une agréable journée. Si ces gants vous plaisent, n'hésitez pas à aller sur le site de Diamond Art Gift pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà, ils sont très très jolis, c'est tout doux à l'intérieur. Moi ils sont très beaux, moi je les aime bien. Voilà, chacun ses goûts, vous me direz. Voilà, voilà les amis. Hop là. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bonne journée les amis ou bonne soirée selon le moment dans lequel vous regarderez ma vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à vous abonner si vous le souhaitez, à liker la vidéo. Gros bisous les amis. Ciao, ciao. Et si vous avez quelques commentaires à me faire, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo. Et je vous répondrai. Voilà. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.